Euh, ben, j'ai su que j'étais une fille vers euh, la maternelle. C'est dur pour une fille d'avoir un pénis. C'est quoi un vrai homme C'est quoi une vraie vrai femme En plus, plus vraie femme, vrai homme, moi j'aime bien l'idée de changer les étiquettes. Ouais. Et du coup, avec la psy en fait, qui était, elle était archi safe, elle était hyper déconstruite et tout, elle m'a accompagné, moi et aussi mes parents. Donc, euh... Ah ça c'est cool hein. J'ai peur de juste euh, devoir aller aux toilettes, homme-femme, et que je sois comme ça en mode... Genre que faire Maxence était transgenre et a mis fin à un séjour il y a un peu plus de deux ans maintenant. Oui mais si' jamais... se dira lui-même. si l'enfant ils se disent que bah, c'est un chien. Qu'est-ce que tu vas lui dire Pas comme ça. Non bah mais donc je... ça marche. Ok. C'est une... 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 de la libération euh, sexuelle à fond quoi. Voilà. Toi, tu ne penses on pas, pas sur que la le, le sexe euh, est quand même à pour projet de procréer de faire des enfants et... Bah non pas du tout non. Euh, quel moment on est obligé de faire des enfants euh... Toi tu comptes avoir des enfants Non. Ouais. Là les plus grosses demandes que j'ai c'est euh, des mecs de cité, euh, ce genre de personnes qui, okay. euh, qui, tu, qui quand tu... je passe dans la rue me, me crient dessus, ouais. sont méchants avec moi et puis qui après passent sur Snapchat et me disent euh, tu peux me montrer à quoi ça ressemble s'il te plaît Mais tu le dis pas. Hein. Ah trop drôle. C est, c est le et tu fond. réagis comment à ça du coup Je lui dis d'aller faire foutre. Ok, d'accord. Ou je me sentais mal dedans, alors pourquoi pas en profiter aujourd'hui, si aujourd'hui je peux faire de la thune <laughs> avec, avec ce que j'ai réussi à faire, okay. ben pourquoi pas. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nouvelle émission. On s'est rendu compte que, dans les médias, on parlait beaucoup, euh, même parfois un peu trop, à notre goût, euh, des phénomènes euh, de société type LGBTQ+, ou toute lettre que vous voulez, et notamment des transsexuels. Et on s'est posé la question, on s'est dit, comment aller au plus profond de la vérité sur la question transsexuelle Et finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas tellement en regardant Combini ou brut ou d'autres médias qui ont un biais idéologique lorsqu'ils parlent du sujet. Mais pour mieux comprendre ce phénomène, bah, le, la meilleure idée, c'est de recevoir un transsexuel. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, personnellement parlant, vous le savez parce que vous m'avez vu sur TPMP face à un transsexuel, moi, ça me gêne un peu. Ma pro... Ma... Mon impression principale, c'est que ce phénomène me gêne un peu parce que je le vois comme une espèce de propagande qui utilise parfois les souffrances euh, des individus pour faire leur, euh, leur business sur, euh, sur une société qui va de plus en plus mal. Donc ça, c'est mon... mon ressenti principal. Mais peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que euh, les souffrances sont réelles. Peut-être que euh, c'est des gens qui sont très sensés, très sincères. Enfin, je ne sais pas. J'ai plein d'a priori et je vais vous les montrer aujourd'hui. La personne qu'on reçoit s'appelle Jade, le... Elle, Yel, on ne sait pas encore, on tranchera la question avec elle. Elle est transgenre, elle est travailleuse euh, du sexe, elle est sur TikTok et on peut globalement dire que c'est une influenceuse puisqu'elle a 140 000 abonnés. En ce moment, au moment où je parle, elle est dans la pièce d'à côté, donc je ne l'ai pas encore vue et vous allez voir nos, nos premières impressions respectives. Euh, J'appréhende un petit peu, euh, j'ai eu des bons retours comme des mauvais sur cette émission. On va voir euh, comment ça va se passer. Je suis un petit peu stressé parce que je n'ai jamais fait ce genre euh, d'interview, mais euh, je suis fier de défendre ma cause euh, ici. En attendant le temps qu'elle qu arrive, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne du livre noir. Bienvenue sur la GAV du livre noir. On te retrouve aujourd'hui, Jade. Oui. Parce qu'on a un format qui s'appelle euh, la GAV. Alors, je t'explique en gros ce que c'est. Si qu on reçoit une personnalité euh, qui représente quelque chose, on parle énormément. Et typiquement, là, euh, en l'occurrence, c'est les transsexuels. En plus, tu le sais, nous, on est un média. Ah déjà, on ne dit pas transsexuel, on dit transgenre. D'accord. On commence direct. C'est important. C'est quoi la diff, du coup En fait, transsexuel, ça rapporte à une maladie euh, dans l'ancien temps il y a encore quelques années, on était considérés comme des personnes malades okay. et on appelait ça le transsexualisme. D'accord, ok. Et ça rapporte aussi aux au faits sexuels, c'est-à-dire qu'une personne transgenre ne change pas forcément de sexe. Okay. Donc on ne dit pas un transsexuel ou une transsexuelle, on dit une personne transgenre. Ça concerne que l'idée du genre. Toi, tu es transgenre Je suis une transgenre. Okay, une personne transgenre et toutes les personnes trans sont des personnes transgenres. Transsexuelle, c'est un terme juste à bannir. À bannir, à bannir. Comme le dead name. Comme le deadname exactement. Okay. Il y a une espèce de gros mot un peu, je crois. C'est tout simplement un, un terme qui, qui nous ramène à une époque qui n'était pas forcément euh, très jolie pour nous. Sinon, on n'aurait pas fait tous ces changements. Et donc, c'est un terme qui ne se dit pas, un prénom qui ne se dit pas. OK, d'accord. Donc là, si je te demande ton deadname... Je vais simplement te dire non. OK, d'accord, OK, génial. Euh, donc, comme je te disais, on, on, je ne sais pas si tu connais un peu la chaîne du livre noir. Euh, ces phénomènes-là, on, on les a déjà traités. Euh, de par un biais sociétal, on regarde un peu ce que les médias disent dessus, mais on voulait avoir, euh, on a posé énormes questions aux, aux internautes pour savoir ce qu'ils en pensent, et énormément de questions sont venues. Donc j'espère que tu es prête. prête. C'est des questions qui sont un peu peut-être directes. Alors excuse-moi, moi je connais pas du tout ce milieu-là. Je, 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 je réponds souvent aux questions de manière, euh, les questions directes, j'y okay. réponds sans tabou et, et assez de, de manière légère pour que les gens comprennent plus facilement. Euh, je ne suis vraiment pas bloqué sur ces idées. -là. Ok, génial, trop cool. Euh, quand est-ce que tu t'es dit c'est pas le bon corps depuis toujours. Depuis, depuis que j'ai l'âge de penser, depuis que j'ai l'âge de savoir ce qui est un homme, ce qui est une femme, ouais. je savais très bien que j'avais pas un, un corps qui me correspondait, que un pénis c'était pas ce que je voulais, que okay. un torse c'était pas ce que je voulais, et que c'était pas qui j'étais tout simplement. Okay. Donc euh, on va dire ouais depuis que j'ai l'âge de penser, depuis okay. que j'ai l'âge de comprendre. T'as un souvenir un peu qui te revient là sur euh, à un euh, moment donné, tu te dis il euh, y, y a une galère. Le premier, alors le premier souvenir, le réel souvenir que j'ai, c'était euh, j'étais au CP, je rentrais euh, en bus avec euh, ma meilleure amie. Euh, de l'époque. Et, euh, et je l'avais regardé, je lui avais dit euh, que je rêvais tout simplement d'être comme elle, que je rêvais d'être une femme. Et je n'avais pas encore compris que j'étais une femme. D'accord, ok. Parce que tu étais une femme même si tu avais les attributs d'un homme. Bien sûr, parce qu'en okay. fait, au final, encore un, un pénis, est-ce que c'est forcément masculin Non. Il y a des femmes avec des pénis, des hommes avec des vagins. C'est une ouais. personne ouais. transgenre, du coup. D'accord, okay. Donc non, encore. instinctivement, un... on pourrait se dire que quelqu'un qui a un pénis c'est plus un homme, Ça, même. Ça, c'est ce que vous avez éduqué depuis tout petit, mais non, pas forcément. Il y a une propagande anti-transgenre. Euh... Bien sûr, oui, okay, okay. il y a des gens. Il des gens qui ne sont pas d'accord avec euh, ce qu'on fait, alors qu'au final, ils n'ont pas forcément leur mot à dire. C'est notre okay. corps, c'est notre, notre vie. Mon corps, mon choix, à fond. Mon corps, mon choix. À ok. Um, Est-ce que tu comprends que dans la société française, il y a des gens qui soient gênés avec ça Je comprends pas. Non. Non. Ok. Alors, je comprends que euh, ce soit assez nouveau parce mm -hmm. qu'on peut en parler que depuis peu. Avant, quand on parlait, on se faisait tuer. Donc maintenant, on se fait plus tuer. Donc, on en parle. On parle de nos souffrances et des gens ne le comprennent pas parce qu'ils n'ont pas été éduqués comme ça. Moi, ce que je pense, c'est que si tu as un minimum d'intelligence, je pense que tu peux t'éduquer toi-même et pas forcément t'éduquer comme la façon dont on l'a fait depuis que t'es petit. Mmh. Je pense que tu es assez grand, tu es un humain, tu as un cerveau, tu peux savoir comment penser toi tout seul ouais. et savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il s'agirait d'évoluer sur certaines questions comme ouais. celle-ci. Tu penses que là, aujourd'hui, on... en France, en tout cas, euh, les transgenres et la... Alors, je sais pas, et c'est quoi ton rapport à la communauté Woke euh, Tout ça, tu bien ça euh, je n'ai pas forcément de rapport avec la communauté ou quoi que ce soit. Non. T'es es LGBT euh... Alors, je, je fais partie de la communauté LGBT parce que je suis une personne transgenre. Après moi, je ne okay. suis pas forcément euh, une communauté dans laquelle euh, je me sens euh, appartenir à fond. Mmh. Moi, je suis juste moi-même. Je suis une femme. Une femme qui a fait une parcours de transition. Et okay. c'est tout. Est-ce que, est -ce que tu peux nous raconter, parce que pour, euh, alors pour, déjà pour moi, mais pour beaucoup d'internautes, euh, ça fonctionne comment une transition Enfin, genre c'est à un moment donné, tu, te dis, tu dis à ton médecin, là, il y a une galère, je ne me sens pas bien. Et deux mois après, t'es une femme ou c'est quand même super complexe faut Alors, par des Est-ce que c'est remboursé si... par la Sécu aussi C'est une grosse question qu'on nous Il faut savoir qu que si, si on commence une transition, c'est pas on va devenir une femme ou devenir un homme, c'est qu'on l'est déjà. Parce que si j'étais un garçon, je serais tout simplement resté avec mon corps dit masculin dans la société. Je n'aurais pas essayé de changer. Okay. J'ai toujours été une femme. Donc je ne deviens pas une femme, j'ai toujours été. J'ai juste changé mon corps pour qu'il me corresponde plus à moi-même. Il mm. n'y a pas de, de profil type de transition, c'est-à-dire qu'on peut euh, être une femme euh, qui garde son pénis. Mmh. Une femme euh, qui possède un vagin ou qui change de sexe, une femme qui fait de la chirurgie ou d'autres mmh. noms, ou simplement une femme qui ressemble au stéréotype de la femme ou une femme qui ne ressemble pas. Mmh. En fait, il euh, n'y a pas de profil type. Moi, j'ai fait, euh, euh, fait la chirurgie, j'ai fait la chirurgie, j'ai fait les hormones, j'ai fait le changement de sexe parce que la totale. Parce que <laughs> moi, je voulais que mon corps soit comme ça et que je me sentais mieux dans ce corps-là. Mmh. Mais euh, je connais des meufs trans qui gardent leur pénis et qui sont tout autant une femme. Okay, et vraiment. le pénis, du coup, est un pénis de femme. C'est sur une femme, donc c'est un sexe de femme. Mmh. Un peu, euh... Ça peut être difficile à comprendre, ouais. mais je me dis qu'avec un peu d'ouverture d'esprit et quand on comprend l'intelligence de l'humain, on peut vite le comprendre. C'est des choses qu'on ne disait pas avant, qu'on ne pouvait pas acquiescer avant. Mmh. Et aujourd'hui, on peut le faire tout simplement parce qu'on on a le droit de le faire. À l'époque, mmh. si j'aurais dit ça, je me serais fait euh, décapiter. Okay. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc je peux le dire et je pense que les gens peuvent évoluer aussi. Les personnes qui sont cisgenres, donc les personnes pas transgenres, qui sont nées avec le bon genre, peuvent ne pas euh, forcément comprendre cette idée-là, pas la comprendre, mais en, du moins la respecter, parce qu'aujourd'hui, mmh. euh, qu on a enfin le droit de parole, et il faut comprendre l'histoire qu'il y a derrière et, et comment ça a été dur pour nous d'en arriver là aujourd'hui, et aujourd'hui qu'on puisse le dire, qu'on puisse avoir le droit de le dire, c'est tellement, tellement dingue et c'est tellement mmh. un bonheur pour nous, qu'au moins le respecter, ce serait ouais. déjà bien. Et l'humain est assez intelligent, je pense, pour le comprendre. Et tu, tu, tu trouves que les Français sont ouverts avec ce genre de... Je trouve, je trouve que les Français sont de plus en plus ouverts. Après, bien sûr, je trouve qu'ils ne le sont pas assez. Ouais. Bien sûr. Okay. A, dans un monde idéal, euh, tout le monde. Dans un monde idéal, une meuf changé. trans, une meuf pas trans, une meuf, peu importe, ce serait une meuf. Il n'y aurait pas de soucis et on se poserait pas de questions. Même une meuf avec un pénis. Une meuf avec un pénis, c'est une meuf. Une meuf sans pénis, c'est une meuf. Et euh, dans un monde idéal, tout le monde le comprendrait. Euh, mais ce n'est pas encore le cas et c'est pour ça que, que j'essaye euh, de le dire un maximum. Ouais. Sur le to maximum. Toi, ton. De Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour essayer de, de promouvoir un peu cette, euh, cette idée-là Je fais beaucoup d'interviews dans les médias. Ouais. Enfin, j'ai fait avec Brut, euh, je fais beaucoup de vidéos sur Internet, sur okay. TikTok. Euh, là, récemment, j'ai des, des tournages pour des films ou quoi prévus mm -hmm. où je joue le rôle d'une femme, pas d'une femme trans. Ok. D'une femme. D'accord. Et, euh, et c'est avec ce genre d'avancée qu'on va, euh, qu va finir par faire comprendre aux gens qu'une femme transgenre, c'est une femme. Une femme. Et tu n'as jamais été euh, emmerdé dans la rue ou euh, tu n'as jamais eu des problèmes euh... Non, pas vraiment. J'ai déjà reçu des, des mauvais commentaires euh, sur Internet ou même dans la rue, mais j'ai jamais eu d'agression ou quoi que ce soit. Okay. Heureusement, parce que malheureusement, il y a tellement de femmes trans qui. Attends, parce que j'ai vu une vidéo tournée l'autre jour, euh, je crois que c'était en banlieue, où un, une femme trans, du coup, avec une jupe, euh, se faisait tabasser. Euh, je crois que c'était en banlieue parisienne. Ouais. T'en penses quoi de cette violence euh, qui touche les. Les, les femmes transgenres bah, je, je pense que j'en pense comme tout le monde devrait en penser. Ouais. C'est ignoble, c'est dégueulasse. Ouais, Personne ne mérite de se faire frapper pour être qui il est vraiment. Okay. D'accord Si demain tu mets une jupe, je vais jamais te frapper parce que tu le fais. C'est ton choix, pas le mien. C'est mmh. ton corps, pas le mien. Mmh. Tu vois Et je pense que tout le monde devrait penser comme ça parce que c'est juste euh, du respect et, et c'est comme ça qu'on est. On est humain, on a un cerveau, il faut s'en servir. Ok. Donc euh, tu penses pas qu'il y ait des endroits qui soient plus dangereux que d'autres pour les femmes transgenres Bien sûr. Bien sûr. Il y a des endroits qui sont plus dangereux que d'autres parce qu'il y a des endroits où l'éducation n'est pas la même. Mmh. Des endroits où des gens vont penser d'une manière qu'on leur a dit de faire. On vous a dit de penser comme ça et ils vont peut-être pas avoir la maturité ou, ou l'éducation de se dire je peux peut-être essayer de penser comme moi j'ai envie de penser mmh. ou de penser comme il faut penser. Ce serait ou de se mettre à ce la place de ça, par exemple. Des endroits où il faudrait pas fréquenter Ouais, pour un transgenre. Pour une personne tu, transgenre. Ou une transgenre, imagine que tu sois avec une, été un, un groupe de copains transgenres, vous vous dites ne faut surtout pas aller dans cet endroit. Il n'y a pas, pas d'endroit typique. Je pense okay. que peu importe. N'importe euh, où, ça peu, peu... peu importe les religions, peu importe euh, les, les origines, il y a des bons et des mauvais partout. Okay. Donc il n'y a pas d'endroit bon ou mauvais. D'accord, ok. Euh, J'ai une autre euh, question. Toi, tu viens de quel milieu, de euh, dire sociologique, mais euh, tu es, es plutôt aisé, plutôt. Euh... Alors, moi, je viens d'un milieu euh, qui a beaucoup changé. C'est-à-dire ouais. que ma mère, elle était très aisée, après, elle est passée à beaucoup moins aisée. Okay. D'un milieu catholique aussi. C'est vrai Ouais, un milieu euh, même assez homophobe, euh, assez transphobe, mm -hmm. où j'ai fait beaucoup bouger les choses. C'est-à-dire qu'avec mon parcours, avec euh, mes misidéolo idéologies, j'ai réussi à, à faire changer euh, de manière de penser ma famille. Et j'en suis très fier parce qu'ils ont juste réalisé en fait que. Aujourd'hui, la vie elle est comme ça et qu'on a juste le droit de parole et que c'est avant on pensait d'une façon qui était qui était fausse en fait. Mmh. On a évolué depuis. Et euh, comment c'est passé quand tu as dit à tes parents euh, ouais, bah là c'est relou, je vais devenir une femme très bien parce que ma mère, même si elle était euh, pas très ouverte sur la question de la transidentité ou de l'homosexualité, en fait, elle est c'est juste une mère, mmh. c'est une maman et elle m'aime et elle aime son enfant. Et du coup, bah directement, elle m'a accepté et elle m'a dit, bah T'es comme ça, t'es comme ça, c'est toi. Okay. C'est toi, tu es une fille, tu es une fille. Et avec ton père Mon père, j'ai pas de père. Depuis que depuis mes trois ans, euh, je, je suis qu'avec ma mère. D'accord, ok. Et te, même plus largement, ton milieu, peut-être tes grands-parents, je sais que souvent les grands-parents, c'est ceux qui sont. J'ai pas de chance, j'ai pas beaucoup de famille, j'ai vraiment okay. que ma mère et mes frères. Ok. Et, et, euh, et tes frères, c'est bien passé Alors oui, ma, mes frères, ça s'est bien passé, j'ai pas beaucoup de contact avec euh, deux d'entre eux. Mais euh, les deux autres, ça s'est très bien passé. Vous étiez, vous, vous étiez cinq garçons. On était cinq garçons au final, ouais. même si moi j'ai jamais été un garçon. Oui, non, c'est vrai, mais j'avais une vous, apparence, vous euh, apparence dite masculine au okay. début. Oui, bien sûr. Mais euh, oui, ils l'ont très bien accepté. Euh, moi, okay. je suis leur petite sœur, et, euh, et tout simplement en fait parce que je suis d'une famille qui est, qui est aimante et qui aime vraiment mmh. leurs enfants et leur famille. Ne, ne pas reconnaître euh, à, à, à son enfant euh, la possibilité de changer de sexe, c'est ne pas l'aimer, selon toi je ne sais pas si c'est ne pas l'aimer, mais je pense que c'est avoir une éducation tellement violente et tellement forte sur ce sujet-là qu'ils n'ont pas la présence d'esprit de se dire Putain, c'est mon gosse quand même. C'est mon gosse et c'est son choix et c'est sa vie. Et en fait, du coup, ils se braquent et au final, ils oublient limite qu'ils l'aiment parce que moi, tu ne fous pas ta gosse dehors parce qu'elle est trans. Si tu l'aimes vraiment, tu ne en as connu des gens Bien sûr, j'en connais, mais il y en a plein. Il y a plein de meufs trans qui sont foutues à la porte par leurs darons parce qu'ils sont transgenres. C'est dégueulasse. Et je ne pense pas que c'est une question d'amour, je pense que c'est une question d'éducation trop violente avant. Mmh. Ok, et alors j'ai une autre question euh, qui va sembler un peu bizarre, mais c'est vraiment une question que les, dire, les moldus se posent. Enfin, euh... ah, je ne suis pas une sorcière. Hein. Non, non, je sais, <laughs> non, non, mais c'est une question. <laughs> Bien sûr. Mais, mais euh, est-ce que c'est possible de faire une espèce de chemin arrière Enfin de, de, de trucs en arrière. De genre, détransitionner Ouais, c'est ça. C'est bien. C'est bien. Parce que j'ai vu que c'était pas mal le cas en Suède. Tu as beaucoup de gens qui se font orienter vers une, 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 une thérapie de genre, enfin où tu changes de sexe, et puis finalement, c'était trop tôt. Et donc, ils veulent dé détransitionner, il me semble. Bien parce sûr. c'est tout à fait possible de détransitionner Alors, toi, tu pourrais ravoir euh, des attributs au, masculins Au stade où j'en suis aujourd'hui, non, c'est pas possible. Ah, c'est réversible Non. C'est irréversible, mon sexe a été trop changé pour le rechanger encore une okay. fois. Mais c'est pour ça qu'en France, euh, on a euh, tout un parcours de, de psychiatres, okay. qui est assez controversé d'ailleurs, parce qu'au final, je ne pense pas que c'est psy euh, des psys qui peuvent dire euh, qui on est vraiment. C'est qui Des psychiatres, en fait. Non, en mais c'est qui qui peut dire, du coup Personne, nous-mêmes. Okay. C'est nous-mêmes qui choisissons euh, qui on est et qui ressentons qui on est, en fait. Okay. Personne n'a le droit de dire qui on est. Si moi, demain, je dis que t'es gay alors que tu ne l'es pas, tu vas mal le prendre. <laughs> je trouvais ça drôle, mais... <laughs> mais, mais tu mais... le prendrais mal. Non, parce que je ne suis pas spécialement homophobe, mais euh, je, je, c'est vrai que ça me Mais tu sais un que tu n'es peu... pas gay, en tout cas. Oui, oui, voilà. Ça, ça te saoulerait que je dise un truc qu'il faut sur toi. Ouais, si tu le répètes à chaque fois qu'on se voit et dis « Salut voilà. Georges, comment va bah le gay nous, en ?» En France, c'est ouais. eux qui choisissent si on a le droit de faire notre transition ou pas. Okay. C'est controversé dans un sens, c'est bien, parce que ça évite des parcours qui sont loupés, comme mm. une personne qui va faire une transition et regretter et mm. devoir des Tu en, en, en as déjà rencontré, ça, des gens qui... Non. Ok. Tu penses... Euh, non, jamais. Je pense que... Ça existe. C'est un fait assez rare, parce okay. que dans tous les cas, il n'y a rien qui n'existe pas. Mm -hmm. Mais c'est un, un fait assez rare, quand même. Ok, ouais, c'est pas, euh, pas commun. Non, bien sûr. Que non. Okay. Et autre question, alors tu n'es pas obligé de répondre là-dessus, mais quand tu vas voir un psy et que tu lui dis, parce que je crois que la, la, la loi oblige euh, qu'on voit un psy avant de faire une transition, euh, quand tu, vas et que tu lui dis j'ai envie de faire une transition, qu'est-ce qu'il te pose comme question euh, Il pose des questions sur ma vie. Euh, Est-ce que j'ai un papa, par exemple okay. euh, Comment je ressentais quand j'étais enfant Est-ce que j'en souffrais mm. Comment je me définis, et voilà. Et en général, euh, malheureusement, c'est le cas pour beaucoup de gens aujourd'hui, faut, il faut essayer de pleurer, il faut essayer de, de, de pousser les choses pour euh, avoir un accord d'un psychiatre euh, mmh. qui nous dise Oui, tu as bien en dysphorie de genre, et ton genre ne correspond pas à ton sexe de naissance. Et, et du coup, parfois, les gens euh, font, font un peu semblant. Oui. Mmh. Ouais, faut faire semblant aujourd'hui parce okay. que sinon ils te, ils te disent pas. Faut essayer de pousser le truc le plus possible pour que les. Moi, je, vous savez, moi, je suis tombé sur. Euh... Tu peux tutoyer, hein, pas de. Bah, alors, tu sais, moi, je suis tombé sur un psychiatre au tout début qui m'a dit. Moi, je ne pense pas que vous êtes une femme. Je pense que vous êtes juste un gay foulé. Cinq ans plus tard, j'ai changé de sexe et je suis une femme aux yeux de la société et je l'ai toujours été et je sais qui je suis. Là, sur ta carte d'identité, c'est une femme. Bien sûr. Oh. On, on, on pourra ouais. la montrer après. Bien, Bien sûr. Okay. Et, okay. Bah, et, et heureusement, du coup, je l'ai pas écouté. Ok, ouais. Mais j'avais été sincère avec lui et de son point de vue, j'étais pas apte à, à être une femme mmh. alors que je l'étais. Tu as, as eu des, des expériences euh, homosexuelles avant euh, de faire ta transition Alors, du coup, aucune expérience homosexuelle vu que j'ai jamais été homosexuel, j'ai jamais été un garçon. Oui, d'accord. J'avais encore dit masculin, j'avais un pénis, certes, mais mmh. ce n'était pas un pénis de garçon du coup. D'accord. Okay. Ce n'était pas encore de, de garçon. Okay. Et oui, du coup, je couchais avec des garçons euh, même avant d'avoir changé de sexe. C'est okay. ça ta question Oui, oui c'est ça. Ouais. Oui. Ok, d'accord. Et euh, donc, du coup, quelqu'un qui a fait. En fait. Tu te considères comme femme depuis tout le temps Bien sûr. Okay, je donc, ce n'est pas un homosexuel qui devient... Euh, non, ouais. non, un non problème, je suis une femme euh, qui avait un pénis euh, et un torse et qui maintenant est une femme avec euh, une okay. poitrine et un vagin. Donc, tout ce qui est euh, quelque part un peu la biologie, donc le fait qu'un pénis, c'est un homme et un vagin, c'est Et pourquoi un et pénis, c'est un homme Est-ce que ça a été créé comme ça On l'a inventé, ça. Pénis, homme. Vagin, femme. Non. Mmh. Humain. Point barre. OK. OK et euh, donc, on a vu ton milieu sociologique, donc c est, c est, bon, ça s'est relativement bien passé. Tu vois, oui, pas, ah oui euh... j'ai pas eu J'ai eu une enfance de petite fille, okay. malgré mon corps de garçon. Tes parents, enfin ta mère te traitait comme une petite fille Elle me traitait pas comme une petite fille, c'est-à-dire que pour elle, j'étais du coup un garçon, mm -hmm. mais, euh, mais je, si je voulais une Barbie, j'avais une Barbie. Quoi. Ma mère, elle était vraiment okay. mon bonheur avant tout. Okay, jamais elle m'a jamais incité à prendre une Barbie ou quoi que ouais. ce soit, mais si je voulais avoir les cheveux longs, euh, avoir une Barbie, j'avais okay. une Barbie. Même si c'est pas bien de genrer les, les objets, disons qu'elle n'avait pas d'idée arrêtée sur ça. C'est cool. Ok. Tant mieux. Tout le monde devrait être comme ça. Et alors, parallèle, moi bon, c'est horrible, mais j dire parallèlement à ça, es travailleuse du sexe. Oui. Alors pourquoi déjà une question un peu syntaxique, pourquoi on dit pas prostituée euh, Bah parce que je suis pas sur le trottoir à, à okay. racoler des clients. On va dire que c'est ce okay. sujet-là, mais euh, toi -to -to, ça marche comment du coup Alors moi je crée je crée des vidéos euh, de charme. Okay. Que, je propose à... ouais. okay, ouais, bon. que je propose à un contenu euh, qui, qui paye pour l'avoir, en fait. D'accord. Ah oui, c'est une espèce de prostitution 2.0. Voilà. Quoi. Et beaucoup de okay. gens disent, euh, mais du coup, est-ce que tu n'as pas l'impression de sexualiser le corps d'une personne transgenre Parce que c'est assez sexualisé, ouais. fétichisé et tout. Et au final, peut-être que je le fais, mais je me dis que j'ai assez souffert dans ma vie pour ne pas en profiter. Mmh. C'est-à-dire que je suis déjà parti avec un désavantage. Mmh. Je suis né avec un corps qui ne me correspondait pas, qui... Mmh. Qui, où je me sentais mal dedans. Alors pourquoi pas en profiter aujourd'hui si aujourd'hui je peux faire de la thune avec, avec ce que j'ai réussi à faire okay. ben Pourquoi pas. Est-ce que tu C'est une question, on en parlait avec mon, mon, mon boss tout à l'heure. Est-ce que tu connais un peu le profil de ceux qui te regardent Enfin, est-ce que tu sais, est-ce que c'est des. Euh, est-ce que par exemple, ça va être des. Euh, je sais pas, des mecs de quartier, des mecs de quartier plutôt. Il y a abrupés. vraiment de tout. Il y a tout. Il y a, de okay. Il y a vraiment de as tout. Tu déjà un mec qui t'a euh, surpris de par son milieu euh... Ah, bah oui, bah le, là, les plus grosses demandes que j'ai, c'est euh, des mecs de cité. Euh, D'accord. Ce genre de personnes okay. qui, euh, et qui, et qui, quand tu... je passe dans la rue, me, me crient dessus, ouais. sont méchants avec moi, et puis qui, après, passent sur Snapchat et me disent euh, Tu peux me montrer à quoi ça ressemble, s'il te plaît, mais tu le dis pas. Hein. Ah, trop drôle. Donc c est, c est Et tu réagis gros. comment à ça du coup Je lui dis de se faire foutre. Ok, d'accord. Parce que voilà, je pas s'il veut, il paye. Ok, d'accord. Et Donc, tout, ce, ouais. ça coûte. Enfin, euh, c'est vraiment des questions que je ne mon... pas du tout pour moi. Mais moi, ça, mon ça, abonnement, coûte, il est à 20 euros par mois. Avec 20 euros, tu as accès à ma poitrine, euh, des vidéos où, voilà, avec ma bouche ou quoi. Okay. Et après, si tu payes plus cher, à plusieurs centaines d'euros, du coup, tu as des vidéos plus, euh, plus travaillées. Ok, d'accord. Tu ne fais pas de, de, comme les escorts, tu ne te déplaces pas. Tu, euh... Je l'étais avant, mais je ne le fais plus, non. Ok, pourquoi tu as. Je le faisais au tout début de ma transition parce que ma mère n'avait pas les moyens de m'acheter des vêtements euh, féminins, okay. euh, du maquillage et tout. Elle n'avait pas ce genre de budget pour moi. Et du coup, il fallait que je trouve mon budget toute seule. Et, euh, et j'ai vite compris que malheureusement, les personnes trans sont très euh, fétichisées. Ouais. Euh, C'est très demandé, des, les personnes trans euh... C'est très demandé. Okay. Encore plus quand on a un pénis. Moi, j'en ai ouais. plus, du coup, je suis un peu moins demandé. Mais euh, quand bizarre. on a un pénis, c'est très... Bah, c'est l'idée de la femme 2.0, la femme avec un nouveau sexe. Putain, c'est génial. Il y a beaucoup de gens qui comprennent qu'un pénis n'est pas un sexe d'homme, forcément, c'est juste un pénis. C'est un sexe. Comme un vagin, mm -hmm. c'est un sexe. Une femme avec un pénis, c'est un peu une femme avec un nouveau sexe. C'est un peu nouveau, quoi. <laughs> ok. Et euh, du coup, euh, quand tu es euh, transgenre, du coup, et travaille du sexe, euh, et que tu te déplaces chez les gens, tu vas chez eux, et les gens... Te veulent parce que tu as un pénis. Ouais, wow. Parce que tu es une personne transgenre, ça les attire, c'est le nouveau sexe. Une femme okay. avec un nouveau sexe, c'est nouveau. Et c'est les mêmes euh... gens qui te, te crachent dessus Ouais, euh... voilà. Ouais. En, en général, la clientèle pour l'escorting, donc le réel, ça va plutôt être des personnes euh, qui ont déjà eu une grande vie, okay. qui ont déjà vu beaucoup de vagin dans leur vie, okay. ou qui ont le même vagin depuis 25 ans avec leur femme, okay. et qui ont envie d'un euh, nouveau truc. C'est des gens le, le vagin aisé oui. On va dire. Oui, ça peut être de père de famille, des gens qui peuvent se payer une escorte. Quoi. Ok, ouais. Voilà, ouais ça pas... Mais on va dire que quand tu as eu euh, le même sexe pendant 20 ans, bah, peut-être que tu as envie d'un truc de nouveau, okay. mais que ça reste euh, une femme. Ok. Alors, j'ai euh, une autre euh, question qui est peut-être un peu plus euh, métaphysique. C'est une question que j'ai vue euh, des abonnés. Euh, Est-ce que quand tu étais jeune, euh, tu en as voulu à quelqu'un d'avoir le corps que tu avais Non. Non, J'en ai pas voulu à quelqu'un, c'est de la faute à personne. Hein. Ouais. Je suis né avec le corps que j'avais, il ne me plaisait pas. C'est juste une malformation, on va dire C'est pas une malformation du tout, mon corps n'est pas mal formé. Euh, non, non, mais quand tu étais... Euh, même quand j'avais un pénis, mon corps n'était pas mal formé. Okay. C'est juste qu'il ne me correspondait pas à moi, c'est tout. D'accord, ok. C'est pour ça que je l'ai changé. Mais un pénis n'était pas C'est ça la dysphorie de genre Ouais. Ça, c'est une maladie mentale, dysphorie de genre La quoi La dysphorie de c'est une maladie C'est pas une maladie mentale, ok. C'était considéré avant. Ok. C'était le syndrome de Benjamin, on appelait ça. Okay. Et aujourd'hui, non, c'est plus considéré comme tel parce qu'ils ont bien vu qu'on n'était pas, pas fous. Quoi. Ok, ouais. C'est juste. Euh... C'est juste que les, 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 les mœurs n'étaient pas assez évoluées à l'époque et euh, tout ce qui était différent était, était un handicap, ouais. était quelque chose de malade. Okay. Et aujourd'hui, bah, on est assez évolué pour, pour montrer que tout ce qui est différent n'est pas forcément euh, vraiment différent. Ouais, ok. Et là, dans, dans, le, dans le futur, euh, qu'est-ce que tu souhaites pour ce pour la France pour ce pays euh, en termes d'inclusion des wow. parce que j'ai l'impression déjà il y a, il y a une, une alors dis-moi si je me trompe mais il y a quand même déjà pour l'instant pas mal une grosse propagande enfin pas une propagande mais peut-être une, une grosse diffusion de l'idéologie euh, LGBT faut. Euh... Euh, euh, il faut il faut en parler en fait ouais. c'est grâce à ça que c'est pour ça que je fais ça même chez les plus jeunes chez tout le monde okay. il faudrait en parler à l'école en fait il ah faudrait, ah ouais, faudrait, faudrait qu'on qu 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 arrête d'inculquer le masculin féminin il faudrait qu'on ouais. qu'on évolue sur ça comme on a toujours évolué depuis la nuit des temps Mmh. Okay Pourquoi on resterait bloqué aujourd'hui à ce qu'on pense Pourquoi on n'évoluerait pas comme on a toujours évolué depuis la nuit des 100 okay. Moi, mon monde parfait, c'est un monde où il n'y a pas de différence, en fait. où, y a, où les transgenres sont des femmes et des hommes. Il n'y a pas de différence. En fait. okay. C'est un monde où on est tous égaux et il n'y a par exemple, pas de jugement. La classe de primaire idéale. Il n'y a pas de jeu masculin et de jeu féminin. L'idéal, c'est de, 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 de genrer rien du tout. Okay. C'est d'arrêter de genrer féminin, masculin, une robe, une fille, une Barbie, une fille. Il faut arrêter ça. Okay, c'est un jouet. C'est un vêtement. Des... Voilà. Okay. Et c'est un sexe. Ce n'est pas un sexe d'homme, ce n'est pas un sexe de femme, c'est un sexe. Okay. C'est une biologie humaine. Quoi. Et donc, du coup, c'est quoi ton rapport à. On a vu le, le rapport à la. À la diffusion de l'idéologie LGBT. Alors je crois qu'il y a plusieurs lettres, non C'est LGBTQ, après, oui. derrière, il y a d'autres lettres. Euh... Ça, après moi, je n'y connais pas trop. Moi, je suis très. Euh... Je m'y connais sur mon sujet, ouais. la transidentité. Okay. Le reste, je ne suis pas calé. Okay. Est... Mais donc, toi, tu penses qu'il faudrait que euh, les plus jeunes, donc même à 8, euh, 8 ans, soient sensibilisés à cette euh, absence de différence, en fait C'est comme les... ça qu'on y arrivera, parce qu'au okay. d'aujourd'hui, les gens se sensibilisent à ça grâce aux gens comme moi sur les réseaux ou aux gens à la télé. Parce qu'on leur apprend, mais on leur apprend, ils sont déjà vieux. Donc, soit ils ont assez d'ouverture d'esprit pour apprendre malgré leur âge, soit, mmh. comme beaucoup, ils restent bloqués et ils sont trop vieux, du coup, ils n'apprennent pas. Okay. Donc, le mieux, c'est d'apprendre directement aux plus jeunes ce qu'est la vraie vie. Ouais. Et tu, et tu penses qu'en fait, parce que moi, c'est la question que je me posais c'est en fait, si jamais tu dis à un enfant de 8 ans, de 8-9 ans, euh, bah finalement, tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme, tu es un peu tout à la fois. Tu sais ce que tu veux être tu ce que, Comment tu te ressens Est-ce que tu mais te être Mais l'enfant a besoin de femme? se construire quand même, non Tu penses pas elle bah se construire lui-même. Ouais. Pas besoin qu'on lui dise d'être un homme pour se construire en homme ouais. ou en femme. Il n'y a pas de se construire en homme ou en femme. Tu te mmh. construis en qui tu es toi-même. Pourquoi on va te dire toi tu es ça, toi tu es ci Non. Mmh. Laisse-le faire ce qu'il veut. Il verra tout lui-même. Mmh. C'est plus une question d'autorité. Tu veux que l'enfant n'ait pas de quelqu'un, de, de personne au-dessus de Je lui. Tu veux que l'enfant se construise lui-même okay. avec ses propres idées et qu'il arrête de se schématiser. Euh, en se disant, bah, je suis un homme, du coup, il faut que je fasse ça. Je suis mmh. un homme, du coup, il faut que j'ai des poils. Je suis un homme. Non, fais ce que tu veux. Okay. Tu es, es une personne humaine, tu as tes choix, tu as ton cerveau. Mmh. Construis-toi toi-même, okay. tout simplement. Ah bah c'est philosophiquement très intéressant. Euh, Est-ce que... Euh, comment Donc, on va revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure sur les, les agressions de trans Mais en fait, c'est plus généralement les agressions... Euh, qu'on a pu voir euh, sur l'homosexualité, notamment de personnes, alors dis-moi si je me trompe, peut-être que moi c'est une lecture un peu caricature, mais de personnes issues de pays particulièrement transphobes ou particulièrement euh, homophobes, je pense notamment aux pays euh, africains. Est-ce que cette, euh, ce genre de population te fait peur, toi, ou euh, pas, elle fait pas de nom Pas du tout, parce que c'est des humains comme tout le monde, en fait, et ils ont un cerveau comme tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'ils euh, viennent de là ou là qu'ils euh, vont forcément penser euh, d'une manière différente. Okay. Bien sûr, il y a la culture, il y a l'éducation. La culture, l'éducation, peu importe chez qui, c'est pareil. Okay. Tu, peux être, tu peux être blanc, tu peux être noir, tu auras ta culture, ton éducation inculquée par tes parents. Mm. Une personne blanche peut être aussi dangereuse qu'une personne noire pour une personne transgenre, ça n'a rien à voir. Okay. Et même si euh, dans les pays musulmans, les, les transsexuels sont. Ça, après, les... c'est la religion. Ah, Et on dit transgenre. Transgenre, pardon. Euh, toi, c'est quoi ton rapport à la religion alors moi je suis athée. Ok. Je suis athée, mais je respecte toutes les religions en fait, parce mmh. que bah chacun fait ce qu'il veut. Si quelqu'un veut, veut avoir euh, ce genre de religion, pense comme ça à sa foi comme ça, c'est son choix, pas okay. lui mien. Hein. J'ai aucune, aucun opinion à avoir dessus. ce okay. C'est pas, pas mon sujet. C'est pas ton sujet, ouais. Donc toi, même si c'est des religions, alors je pense, là je parle des trois religions euh, monothéistes, mmh. c'est des religions qui ouvertement euh, condamnent euh, les pratiques euh, homosexuelles. Alors je crois qu'il parle même. Alors pas la de... transidentité n'a rien à voir avec l'homosexualité. D'accord, ça n'a rien à voir. Ah non pas du tout. Hein. Okay. Moi je, je peux très bien être bisexuel ou aimer les femmes. Je resterai toujours une femme. D'accord. Ça n'a rien fait... à voir. Donc homosexuel, hétéro, et bi. Euh... Moi je suis hétéro curieuse en matière. Ça m'arrive des fois de faire des trucs avec des filles. Okay. En soirée, mais euh, sinon, je suis quand même plus avec les garçons. Ouais. Ok, d'accord. Euh, ouais, et du coup, ta perception de la religion, tu dis faites ce que vous voulez, c'est pas, pas, pas mon choix. Non, mais c'est pas mon choix, j'ai pas le droit de juger de toute façon. Okay. C'est leur choix, c'est leur vie. Ok. Non, mais c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire que euh, bah, tu combats les religions puisque c'est des. Ah, pas du tout. D'accord, ok. Ah, non, non. Tu chacun euh... sa religion, mais je pense qu'ils sont bien placés pour le savoir que dans chaque religion, il y a du respect à avoir. Je pense que leur Dieu leur dit assez qu'il faut avoir du respect. Malheureusement, ce que je pourrais reprocher, c'est qu'il en a beaucoup oublié Mmh. Il faut avoir du respect mmh. quand t'es quand es religieux euh, qu'est-ce que tu votes qui je vote ouais Jean-Luc Jean Mélenchon Jean-Luc Mélenchon bien sûr ah c'est génial pourquoi ouais. tu votes Jean-Luc Mélenchon parce que j'aime pas la police t'aimes pas la je, police j'aime pas la police et puis je suis ah, très, très d'accord avec ses idées j'aime bien ça j'aime bien j'aime bien la façon dont tu aurait pu changer les choses est-ce que tu peux nous dire combien tu touches avec déjà OnlyFans mais aussi avec euh, tous les réseaux que t'as alors du coup moi je suis sur Mime. donc c'est la version française d'OnlyFans on ok d'accord moi, je suis... Voilà. Et euh, ce que je touche à peu près... Je on... pas, pas obligé de dire le chiffre. Oui, mais je touche, je, je, je touche très bien ma vie. Je, je touche plusieurs milliers d'euros par mois. Okay. Parfois plusieurs dizaines. Non. Ça arrive. Il ouais. euh, faut savoir euh, qu'aujourd'hui, le, le marché du sexe, c'est un marché qui est très lucratif. Hein, est ouais. un... Tout le monde est concerné. Voilà. Quasiment tout le monde est concerné, on va dire, d'un certain âge à un autre. Et, euh, et du coup, forcément, c'est ce qui marche. C'est peut-être le sujet le plus vieux du monde, hein, le sexe. Hein. Ouais. On est tous là par ça. Ouais, Donc forcément, ça rapporte. Plusieurs, plusieurs, plusieurs dizaines de milliers. Ça de milliers. arrive. Ah oh ouais. Peut-être me mettre là-dessus, moi. Fonce, <laughs> hein. Ouais. C'est ton choix. En gros, moi, je considère une partie de cul de comme une partie de FIFA, quoi. Pour moi, ça a la même importance. Le ouais. sexe, pour moi, c'est beaucoup trop à euh, sacraliser. Ouais. Alors qu'en fait, au final, il n'y a rien de plus naturel, quoi. Okay. Enfin, je veux dire, on se fait un enfin, on se fait une baisse, quoi. D'accord. Ouais. Ok, c'est une... une... de la libération sexuelle à fond quoi. Voilà. Toi, tu penses on pas, pas que le... le sexe est quand même ah, pour projet de procréer, de faire des enfants et. Bah non, pas du tout non. Ouais. À quel... quel moment on est obligé de faire des enfants euh... Toi tu comptes avoir des enfants Non. Ouais. juste du plaisir quoi. Okay. C'est du cul. Enfin c'est. Je trouve qu'on pose trop d'idées de... arrêtées dessus. On, on est trop en train de sacraliser du coup ce, ce, ce... le sexe alors que c'est. C'est juste. Une baisse, juste on s'amuse quoi. quoi. Ouais. Genre euh... moi je. Je couche avec mes amis, hein, par exemple. Ça m'arrive, mes très bons potes à moi, et le lendemain, on est repotes. Hein. C'est juste du cul. Un fifa, du cul, pareil. Mmh. On s'amuse, quoi. Il okay. faut s'ouvrir l'esprit. C'est le mot de l'histoire, mais il faut, faut s'ouvrir l'esprit. Ouais. Merci à tous d'avoir suivi ce format, qui s'appelle la GAV du Livre Noir. On a pu poser les questions que, à mon avis, beaucoup de gens se posent sur le, le mouvement euh, transgenre. On a appris aussi beaucoup de choses. Notamment sur les thèmes un peu syntaxiques. Euh, toi, qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que tu trouves ça bien ce genre de format tu, tu kiffes ouais, ouais, moi je kiffe. J'aime bien. J'aime bien. Bah, forcément, j'aime bien qu'on réponde à des questions et qu'on ouvre l'esprit aux gens. En fait, ouais. peut-être que peut-être que cette vidéo va permettre à certaines personnes de s'ouvrir l'esprit, de s'intéresser un petit peu plus, ou du moins le minimum de respecter. <music>